Ça y est, on y est. Alors est-ce que vous êtes prêts ou pas? Batman vs Superman, Justice League de Zack Snyder, Justice League de Whedon, ça fait partie des œuvres qui ont participé aux débats les plus virulents du 21e siècle. Et je dis ça en rigolant bien évidemment, mais vous voyez très bien où je veux en venir. L'objectif d'aujourd'hui, c'est uniquement de se concentrer sur cette nouvelle version de Justice League qui est bien différente de celle d'origine. Mais une chose que vous ne devez pas oublier et qui sera au cœur de notre sujet, c'est que vous avez face à vous un réalisateur talentueux qui possède de l'ambition, mais qui possède aussi de nombreux défauts. Justice League est un nouveau film, c'est une nouvelle proposition, c'est un nouveau sujet de dissertation qui a été évoqué et créé par un autre élève. Et c'est ça qui est super intriguant, c'est que ça apporte tout un tas de nouveautés, des scènes nouvelles, des scènes aussi qui sont différentes, qui ont été filmées d'une autre façon. On a presque l'impression que certaines scènes, elles ont été tournées de la même façon mais d'un point de vue différent, et ça chamboule complètement vos points de repère initiaux, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de regarder un autre film. Et surtout, ça construit un nouveau scénario, le point culminant des films. Pourquoi je regarde des films? Pourquoi je regarde des séries? C'est parce qu'il y a une histoire qui m'est proposée. Et bah ce Justice League propose une nouvelle histoire, avec de nouveaux axes de lecture, avec des points secondaires qui sont similaires mais en même temps différents. C'est une nouvelle version qui vous est proposée, qui, en plus de ça, apporte une histoire qui est bien plus complexe, mais qui est aussi, et ça c'est quelque chose que j'adore, apporte une véritable mythologie. Et c'est ainsi que le scénario devient plus complexe, en développant fortement nos personnages et dont certains évoluent radicalement dans leur caractère et leurs actes. C'est simple, c'est la suite d'une aventure qui sert à quelque chose, avec une évolution de notre histoire et de nos personnages, c'est la suite d'un univers crédible avec une nouvelle proposition. De par sa plus grande complexité, on a un nouvel univers qui s'offre à nos rétines qui sont très attentives en tant que spectateurs, et c'est dingue à quel point un seul film peut être plus complexe que tout le Marvel Cinematic Universe. Et je dis ça en rigolant, je troll un peu parce que j'adore ça aussi, ça fait partie de ma nature, mais il y a une toute petite part de vérité quand même. Malgré cela, je suis obligé de mettre un point d'honneur, c'est que ce film ne se destine pas à tout le monde. Il peut paraître un peu lourd au niveau de son scénario. On peut avoir vite la sensation d'avoir un dictionnaire qui nous étale ses sciences avec des messages cachés, des messages qui vont aussi vraiment s'inculper dans notre inconscient. C'est un peu comme si tu lisais un pavé de 1000 pages en livre, bah c'est un peu ça dans l'idée. Et c'est clair que ce film ne se destine pas pour tout le monde et pour tous les types de spectateurs. Mais bordel, de mon côté, moi qui aime les films à l'ambiance particulière, avec une lenteur propice à l'atmosphère et à ce qu'on nous montre qui est du sens et de l'intelligence, ainsi qu'avec des moments intenses et classieux, c'est tout ce que vous promet cette nouvelle version de Justice League. On a de la chance d'avoir une telle proposition. C'est vrai que ça se dessine pas pour tout le monde et ça se voit dès que vous finissez le film. Il y a vraiment cette sensation d'avoir un film qui est unique, qui ne plaira pas à tout le monde. Rien que par son cadre, je suis désolé d'avoir un film qui est un peu au format carré avec des bandes noires extrêmement énormes. Moi par exemple qui possède une télé qui fait la taille de ma copine en diagonale, c'était pour m'en prendre plein la rétine, c'était pour avoir une expérience proche du cinéma avec un écran gigantesque qui dépasse presque la taille de ma pièce. Et ça va vous saouler ce genre d'élément, d'avoir des grosses bandes noires, etc. Mais le film, il peut paraître extrêmement lourd, comme je vous l'ai dit, extrêmement parfois un peu prétentieux même, mais dans tous les cas, sa science, les bandes noir, etc., tout se justifie. Et je voudrais vraiment m'arrêter sur ce point précis, le format du film, c'est que tout a du sens, tout est beau, et même moi qui râlais pour les bandes noires, j'ai vite dérouté tellement le film était classieux. Et en fait, c'est ça qui en ressort, c'est à quel point un homme peut réussir à proposer une œuvre différente et qui vraiment a du sens. C'est une œuvre d'art, vraiment, Justice League. Prenez la composition de l'image, et je m'arrête dessus parce que c'est sûrement l'un des éléments les plus impressionnants et qui vraiment le ressort le plus. La composition de l'image, vous pouvez faire des captures d'écran de tous les plans du film, et je précise vraiment absolument tous les plans. Vous pouvez rajouter après sur Photoshop des petites bulles, et vous avez vraiment l'impression d'avoir un PDF qui va vous étendre un véritable comics. Ce film est un comics en termes de composition, c'est rare d'avoir ça dans un film. On est sur des films qui sont tirés de comics, d'histoires qui sont semblables à des bandes dessinées, c'est un peu méchant de dire ça des comics parce qu'en général on n'aime pas comparer les deux, mais c'est un peu le cas. Et on a des films qui ne tiraient pas, absolument pas parti de ce média, on avait quelques propositions qui étaient différentes, mais quand vous prenez tout un tas d'autres films super-héros, je citerai pas la concurrence que je vais me faire des ennemis, mais vous voyez où je veux en venir encore une fois, mais là, je suis désolé, mais Justice League 2021, c'est un pur produit de comics. Sans les comics, vous n'avez pas cette œuvre. Et c'est pas dingue d'après avoir vu autant de films de super-héros de dire ça que maintenant, moi je trouve ça que c'est absolument choquant. Il y a d'autres exemples, évidemment, d'autres films qui prennent à partie les comics, mais ils sont rares. Et j'ai envie de faire une phrase un peu philosophique et un peu la morale de cette vidéo, c'est que Justice League, c'est un comics qui prend vie. Oh là là, elle est folle celle-là. Et ce qui sauve parfois le film de tout cela et de c'est aussi un peu des moments de lenteur, c'est vraiment sa composition du film qui va vous scotcher et vous ébahir. Après, à voir si l'expérience, elle est similaire lorsqu'on le regarde plusieurs fois, ça c'est une autre chose dont j'ai pas encore la réponse malheureusement. Le film, il aime t'envoyer des petites gifles visuelles au niveau de ses effets spéciaux, au niveau de sa mise en scène, qui vraiment sont exceptionnels. Les personnages sont mieux traités, mieux introduits et surtout plus complexes. On a face à nous des êtres qui possèdent des émotions, ce qui les pousse à agir d'une certaine façon. D'autres personnages comme Lois sont plus énervants de mon côté, mais c'est sûrement quelque chose qui est personnel, tout comme le Joker que je résumerais par un simple mouais. On dirait un vieux hippie chelou là qui traîne au fond des bars, je suis désolé mais Jared Leto, j'arrive pas à y croire, hein, il n'y arrivera pas. Et c'est sans doute cela le seul défaut de cette nouvelle version, c'est la volonté de trop en faire. Ce qui donne à la fois un sentiment unique lorsque l'on regarde ce film, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant, et ce caractère unique au film de super-héros, c'est vraiment quelque chose que je tiens à mettre en avant. Mais ce caractère unique, il est parfois surchargé par le réalisateur qui veut trop en mettre peut-être, et qui a du mal à condenser et à aller directement droit vers le chemin. Et ce qui peut être un défaut pour l'un peut être une qualité pour l'autre. Moi je trouve que c'est une qualité, mais encore une fois, ce n'est pas un film qui se destine à tout le monde. Mais la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que au moins Justice League de 2021, il a le mérite
mérite de mettre fin à un calvaire, et on espère que les studios seront plus attentifs envers les fans à l'avenir. C'était mes Romains, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter si vous êtes d'accord avec moi, et n'oubliez pas qu'on aura tous des avis différents, surtout sur une saga aussi complexe que tout ce qui est film de super-héros, et notamment celle-là qui est Justice League. Et puis on se retrouve bientôt j'espère, prenez soin de vous, à la prochaine, n'oubliez pas vos masques, ciao bene.